Le procès du chanteur classe égal à HRLR. Kelly a finalement commencé ce mercredi 18 août 2021 à New York. Accusée de multiples abus sexuels, la star américaine de 54 ans est actuellement en détention dans une prison fédérale de Brooklyn. Elle s'est présentée au tribunal dans un costume gris avec une cravate violette. Silencieuse et stoïque, l'artiste déchu plaide non coupable des faits qui lui sont reprochés. Vous allez entendre toute l'histoire dans son ensemble et justice sera rendue. A promis l'une de ses avocates, Nicole Blanc-Becker, en arrivant au tribunal. R. Kelly, dont les agissements avaient été dénoncés depuis longtemps, mais qui avait été acquitté en 2008 lors d'un procès pour pédopornographie, doit notamment être jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018, comme l'a détaillé l'AFP. S'il est reconnu coupable de toutes les charges par le jury, 7 hommes et 5 femmes, il risque entre 10 ans et la prison à vie. Nous parlons d'un prédateur, un homme qui, pendant des décennies, a utilisé sa célébrité, sa popularité et un réseau de personnes à sa disposition pour cibler, préparer et exploiter des jeunes filles, garçons et femmes pour satisfaire ses envies sexuelles, a lancé, à l'ouverture des débats, la procureure Maria Cruz Molande. Selon l'acte d'accusation, R. Kelly dirigeait un réseau qui recrutait et préparait des jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec lui, les enfermant dans leur chambre d'hôtel quand il était en tournée, leur demandant de porter des vêtements amples quand elles n'étaient pas avec lui, de garder la tête basse et de l'appeler papa. Au tribunal, le chanteur est accusé d'avoir abusé de 6 femmes, dont des mineurs. Leur identité n'a pas été révélée, mais parmi elles figure la chanteuse Aaliyah, décédée il y a 20 ans, en août 2001 dans un crash d'avion, à 22 ans. L'acte d'accusation reproche en effet à R. Kelly d'avoir corrompu un fonctionnaire de l'État de l'Illinois en 1994 pour obtenir de faux documents et épouser une mineure. Une accusation qui renvoie au mariage, finalement annulé, du chanteur avec la jeune étoile du R&B. Elle avait alors 15 ans.